Laissez-moi vous expliquer. Voilà, il y a quelques mois, Hera est venue chercher Hermès et lui a proposé de reformer les 12 de l'Olympe. Seulement lui, hein, pas bête, il a senti le truc et il s'est dit « je vais contrecarrer ses plans ». Alors voilà, le problème, c'est que pour une fois, il n'a pas été très rapide et c'est Hera qui est tombée sur vous avant. D'accord, mais du coup, pourquoi il n'est pas venu nous en parler ? Franchement, là, Hermès se serait pointé devant toi, tu l'aurais cru si t'avais dit « oui, Hera, elle va détruire mon... » Ah ouais, ouais. C'est Hera, quoi. Héphaïstos. Que sais-tu au sujet des astres ? Par rapport à... Mais non, mais par rapport à rien. Je sais juste que l'enclume des trois lames renferme bien des secrets. Et l'un d'entre eux a un rapport avec les 11 astres divins. Donc vu que c'est toi qui as créé l'enclume, je me dis que tu dois forcément connaître ce secret. Ouais, effectivement. Un secret ? C'est ça. Apparemment, l'enclume des trois lames renfermerait un secret autre que la fabrication des trois grandes armes. C'est quoi les trois grandes armes ? La forge d'Hadès, les éclairs de Zeus, tiens quoi, et mon trident. Voilà. Bon, et on sait de quoi il parle ce secret ? Bah d'après Hermès, ça aurait un rapport avec les astres divins. Oh, les astres divins. Je les avais oubliés ces trucs. Attendez, moi, je suis un petit peu perdu là. Vous pouvez me dire, qu'est-ce que c'est ? À l'époque, tu as demandé à Héphaïstos de fabriquer 12 pierres, que tu as nommées astres. Tu en as offert un à chacun d'entre nous. Moi-même, j'ai encore gardé la mienne. L'astre de Vénus ? Ça m'étonne que tu l'aies encore, pour le peu que c'est servi. Pourquoi tu dis ça ? Bah, concrètement, à l'époque, tu nous as offert ces pierres. Bon, bah, c'est sympa, hein, mais tu nous as jamais vraiment dit à quoi elles servaient. Du coup, bah, il y en a qui l'ont conservé, comme Aphrodite. Et puis il y en a qui l'ont paumé, comme moi. Ah bah sympa. Alors je vous offre des trucs, et vous les paumez, quoi. Non. Du coup, on pense qu'Hera a principalement essayé de te chercher pour ça. Après, je pense qu'elle s'attendait pas à ce que tu sois amnésique. Ouais. En gros, on tourne en rond, quoi. Attendez, je dis peut-être une connerie, mais... Héphaïstos, vu que c'est lui qui les a fabriqués, je veux dire, il doit connaître ce secret. Enfin, il doit savoir à quoi elles servent, du coup, il doit s'en rappeler. Ça m'étonnerait. Je peux pas te le dire. Et pourquoi tu peux pas me le dire ? Ben, je peux pas te le dire. Je l'ai sur le bout de la langue, mais j'y arrive pas. Je peux pas. Ouais. On dirait qu'il est sous l'emprise d'un charme. Un charme ? Ça, c'est pas con, ça. Cela dit, on a vite le savoir. Le secret de l'enclume des trois lames, c'est... Alors ? Un charme ! Un charme, oui. Quand Héphaïstos eut terminé de fabriquer les astres, tu m'as demandé d'effacer sa mémoire. Bah alors du coup, c'est génial ! Bah oui ! Parce que tu dois le connaître, toi, le secret ! Pas vraiment, non. Alors là, je comprends plus rien. Tu m'as demandé d'effacer un secret, pas de le connaître. Je trouve ça assez risqué, quand même, d'effacer la mémoire de quelqu'un sans connaître sa cible. Enfin, je veux dire, ça risque pas d'affecter sa mémoire ou le reste de ses souvenirs ? Totalement. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que mon cher mari, depuis, est un peu... Donc, c'était un secret assez important pour que tu prennes le risque d'endommager la mémoire d'Héphaïstos à jamais. T'as effacé la mémoire de ton propre mari ? Mais t'es trop méchante ! Si c'est un charme, ça risque d'être compliqué. Il va falloir retrouver celui qui lui a lancé. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Faut voir, hein. On n'est pas 36 à pouvoir lancer des charmes. Tu penses à la blondasse ? Un peu que je pense à la blondasse. Oui, donc pour en être sûr, il va falloir la retrouver et la ramener ici. Donc on vient de trouver notre prochaine invitée. J'ai pas compris. Tu penses qu'on peut lui faire confiance ? Ah bah évidemment que oui. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. Oui, enfin, elle a quand même fait effacer la mémoire de son mari. Ouais, mais enfin, on va remettre les choses dans leur contexte. C'est quand même toi, à la base, qui lui a demandé de lui effacer la mémoire. Et puis, Héphaïstos, c'est ton fils. Quoi ? Alors, tant qu'on y est, est-ce que elle aussi, c'est aussi ma... Non. D'accord. C'est la tienne, du coup ? Non. Elle est née dans un... coquillage.
Un coquillage. Voilà. Une sorte de grosse palourde. Vous, les dieux, vous m'étonnez toujours. Dites, les garçons, j'ai besoin de votre avis. Voilà. Alors, soit j'ai le mauve, plutôt miaou, plutôt grrr, vous voyez le truc là. Soit j'ai le blanc, plutôt standing, plutôt classe. Qu'est-ce que je fais? Mauve pour l'aventure, quoi. Ouais, c'est-à-dire que non, le. Enfin, je pense. Le blanc, rose. Hein? Non? Oui, ou rose. Hein, rose ou blanc. Et voilà, c'est. Et dis-moi, tu peux me dire ce qu'une déesse comme Athéna fout à lécher les bottes d'une déesse comme Hera? Je cherche pas à comprendre. C'est trop compliqué pour une déesse comme Aphrodite. Attends, c'est là que tu comptes me mettre? Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais y a pas de porte. T'inquiète pas, c'est pas les solutions qui manquent. Tu parles trop, Aphrodite. Et j'ai pas l'intention de la fermer! Vous avez pas le droit de m'emprisonner! C'est marrant, c'est le monsieur qui m'a donné l'indice tout à l'heure. Ça va? Ouais. Oui, je disais, donc du coup, j'ai trouvé des armes, je pense qu'on va pouvoir récupérer Aphrodite. J'ai même trouvé ça, tiens-moi ça. Ah oui, on trouve toujours un bouclier et une épée dans l'armoire de quelqu'un. Puis j'ai trouvé ce machin aussi, c'est marrant, il y en avait deux autres avec une ceinture. Je me demande bien ce qu'il peut y avoir. Non. Quoi? Qu'est-ce que c'est? T'es malade, c'est de la poudre de Morphée. De? Bah, de la poudre de nuit, quoi. Je comprends rien. De la poudre ou quand tu la sniffes, tu dors. Tu tombes bien, Dionysos. Par hasard, tu ne saurais pas comment retrouver Hera, des fois. Si vous souhaitez soutenir le projet, il vous suffit de cliquer sur le lien Tipeee qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Afin de ne pas rater les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.